Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui, je vais sur un nid de frelon qui est déjà traité. Je vais juste faire l'enlèvement. Alors pour moi, il est un peu spécial ce nid. C'est parce que c'est le nid où je me suis fait piquer. Donc j'avais promis aux gens que je viendrais l'enlever. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais le filmer. Parce que enlèvement de nid, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais celui-là, il était un peu spécial. Donc j'ai pris la scie de combat. Et ben, je vais préparer l'échelle et on va aller voir ça. Allez, c'est parti pour le découpage. Vous rappelez cette scène? Ça vous dit rien? Bon, voilà, le nid, vu que moi ça bouge, j'ai l'impression qu'il s'est coupé en deux. Donc il va être en deux parties. Donc on va regarder ça. Ça bouge un peu. Il est énorme. Franchement, il est énorme. C'est pour ça que je voulais le filmer à la base. Pendant le traitement. Alors, on va essayer de trouver un truc pour couper. On va essayer de bloquer ça. Allez, j'ai essayé de vous montrer un peu plus près. Regardez-moi comment il est énorme. Donc on voit bien que sur cette partie-là, ici, il est coupé en deux. Vous voyez comme ça bouge? Ouais. Donc je vais essayer de découper la partie du bas. Donc cette branche, elle n'a pas l'air de tenir. Il va falloir que je coupe cette branche. Pour récupérer le bas. Allez. Voilà une partie de couper. On va essayer de ne pas trop le casser. Franchement, je vais vous montrer après. L'intérieur, c'est hyper rigolo. Allez, je descends ça et je m'occupe de l'autre. Pendant ce temps, je vous laisse regarder là. Allez, on va s'occuper de l'autre partie. Je vous dis pas, il a l'air de... Je vous dis pas, il pèse. Il reste une branche.
Regardez-moi ça. Regardez-moi ce monstre. Et regardez, ça c'est la cuvette. Et regardez tous les cadavres. Donc ça c'est la partie bas du nid. Et la partie haut du nid là. Regardez la différence avec ma main et mon bras. Et regardez ça. 1 mètre de haut. Énorme, énorme ce nid, énorme. Et vous allez voir toutes les larves qu'il y a. Faut pas oublier que j'ai traité ce nid le 5 novembre. Je me rappellerai, c'est là où je me suis fait piquer. Et vous allez voir quand même qu'il y avait pas mal de monde dedans. Beaucoup de frelons prêts à sortir. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi les galettes. Regardez tout le blanc qu'il y a. Donc le nid est attaché sur cette branche là. Vous voyez la petite bosse. En fait, quand on part comme ça, vous voyez, souvent on nous dit comment ils font l'appui, ça détruit pas le nid puisque c'est du carton. Ben, vous voyez la bosse, ça finit en pointe. Donc ça, c'est l'eau, elle s'évacue sur le côté. Du coup, l'eau ne rentre pas dans le nid. Et de toute façon, comme il y a des frelons à l'intérieur, ben, il y a toujours un entretien régulier. Donc ben, automatiquement, le nid est toujours sec. Bon, on essaie de le découper ou pas ce nid? Allez, on va commencer par mettre le bas du nid dedans. On va faire un petit découpage. Léger comme un souffle dans le vent, un soldat solitaire contre l'envahisseur, l'oppressant asiatique ou européen. Petite galette, on voit bien qu'il y a des larves encore. Hein. On va essayer de couper ça. Alors, ce que je vous disais,
que je vous disais, la partie du haut qui fait que l'eau coule sur le côté et les premières galettes qui commencent. Donc on va ce côté, vous voyez, on voit bien l'espace entre les galettes, donc il y a pas mal de frelons qui peuvent se cacher, hein. Faut savoir que sur un nid comme ça, on tourne entre 10 000 et 12 000 frelons, hein, en pleine saison. Donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et une petite galette que j'ai enlevée, ça fait 10. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Là, on peut voir qu'il y a pas mal de frelons. Tu es prêt à sortir? Ça reste quand même impressionnant comme construction. Mais vraiment impressionnant. Il n'était pas tout à fait prêt, lui. Ici, on a quand même pas mal de larves. Donc, vous voyez, ça pond encore. Hein. Même au mois de novembre. Hein. Ah. Un petit survivant. Et d'autres survivants. Donc vous voyez, ça reste quand même important normalement de les laisser. Bon là ça faisait 15 jours, mais vous voyez tous ces capuchons blancs, dessous la poudre elle y va pas. Donc automatiquement ça tue pas le frelon qui est en cours de transformation. Donc à partir du moment où il creuse pour sortir, vous avez vu, on a vu certains avec la tête qui sortent, c'est parce qu'ils commencent à avaler de la poudre et ils meurent de suite. Donc il n'y a pas vraiment de danger, ils vont pas sortir d'un coup à toute vitesse et nous piquer, ils n'ont pas assez de force pour ça. Ah les copains, vous voulez jouer, vous voulez faire les tubes wifi? Bon ben je vais ranger tout ça, je vais tout mettre dans des poches, jeter ça, et ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était le nid qui m'a entre guillemets qui m'a piqué à cause de ce nid. Ça fait partie du métier, encore une fois, même si on est dans le boulot, on peut se faire piquer, le risque zéro n'existe pas. Donc ne touchez pas les nids, laissez faire les pros. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt les Dédés. Ciao.